Bonjour et bienvenue à bord de ce vol Evan Airlines à destination de Cholet. Oui, en fait, non, ça c'est plutôt le rôle du steward. Mais aujourd'hui, on parle pilotage puisque je suis chez Airways. Et ici, on propose tout plein de formules pour découvrir l'aviation et même se former à devenir pilote. Salut Mathieu. Salut Evan. Alors, euh, c'est vrai, je pourrais apprendre à devenir pilote, c'est ton, ton boulot Absolument, on forme des pilotes privés. Pilote privé, c'est la licence qui permet d'aller partout en Europe et d'emporter des, des passagers. Mais non, mais ça doit être super réglementé ça et bah finalement, pas tant que ça. De la même façon qu'on passe son permis voiture, on peut avoir le permis avion. Donc tu as lu tous les manuels qui sont sur la table là euh, Pas exactement, <laughs> c'est plus simple qu'on qu y penserait. Et on propose une formation, c'est 45 heures de vol qu'il faut compter pour la formation pilote, et on me propose de le faire en deux mois chez Aeroways. Et donc toi, tu es pilote aussi Voilà, ça fait deux ans que j'ai la licence de pilote privé, j'ai pu me balader, on est allé jusqu'en Allemagne, je suis allé en Corse avec un petit avion. Oh la classe bah alors Et là où c'est encore plus la classe, c'est que tu es super jeune, et c'est toi le patron d'ici. Voilà, effectivement, on est plusieurs à diriger Aeroways et on est une équipe de jeunes. Et comment est-ce qu'elle est née, cette passion pour l'aéronautique Bah, Ça nous a toujours un peu plu. Et puis le bonheur est venu vraiment en partageant cette passion. Et le but ici, c'est de partager notre passion et de faire découvrir... Ce monde de l'aéronautique, absolument. Bon alors, euh, moi, je suis à fond. Hein. Merci de m'avoir prêté la petite chemise de pilote. Est-ce que tu pourrais m'expliquer et nous expliquer un petit peu comment, euh, euh, pourquoi est-ce que les turbulences euh, arrivent et est-ce que c'est est -ce est dangereux les turbulences Alors, non, ce n'est pas dangereux. Et qu'est-ce que c'est les turbulences Ah, alors, petit cours magistral par un pro. Vas-y. Donc, on a un avion qui avance. Bah, des fois, l'air, il est calme, mais l'avion, il évolue dans l'air. Et en fait, des fois, l'air, il n'est pas très calme. C'est-à-dire qu'on a des masses d'air qui, qui descendent et des, des masses d'air qui montent. Là, c'est tout simplement du vent qui descend, du vent qui monte. Et il faut traverser. Voilà, l'avion, bah, quand il traverse là, il descend, puis tac, il passe dans une autre masse d'air, et là d'un coup, il est vers le haut. Et c'est la turbulence, c'est tout simplement un, un changement de masse d'air. Donc c'est pas dans, pas dangereux quoi. Non, c'est pas dangereux. Les la structure des avions sont faites pour résister à des secousses extrêmes. Bon bah d'accord, bah c'est rassurant. Euh, je, je vais faire un peu de théorie, mais c'est quoi la suite de la formation une fois qu'on a bien bien appris par cœur tous les manuels Alors après la théorie, on peut passer à la pratique par le simulateur. On a un simulateur davion ligne professionnel. Tu peux essayer Oui, tu vas pouvoir essayer. Donc on t'a préparé ta ah, carte cool. d'embarquement. Ma carte d'embarquement, mais j'adore. Fais je voir. Ton, ton bon d'embarquement pour... Super. Le bon bah alors tu mets le simulateur à chauffer. Hein je te retrouve là-bas. Ok, c'est parti. Merci. Vais... <laughs> Alors, vous savez, j'adore les quiz. Il y a un petit quiz pour vous à la maison et puis sur le plateau. Donnez-moi le nombre d'aéroports et d'aérodromes que l'on peut trouver dans la région Pays de la Loire. Allez, c'est à vous de jouer. Et moi, je bosse un peu la carte avant le vol quand même. Hein. Alors, on est où ah bah Déjà, je ne sais pas. Voilà.